On connaît les portraits en peinture, en film ou par écrit, mais très peu en musique. Un concept unique et original, intrigant, appelé musicomaton. C'est un portrait musical personnalisé, réalisé par Yves-Henri Guillonnet. Le musicien compose en direct, selon ce qu'il ressent de la personne lors de la rencontre. Je suis un peu une éponge, c'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est justement le ressenti, puisque tout part de là. Tout part de là pour créer une musique qui est réellement originale et qui part de la rencontre avec la personne. Donc je n'anticipe rien. Le but du jeu pour moi, c'est justement de ne pas penser à la musique, de ne pas penser à des images, de faire le vide pour que ce qui va m'arriver à la rencontre de du modèle soit pour moi un point de départ clair. Un temps de discussion est possible après l'écoute du portrait musical. À travers le musicomaton, le modèle effectue un voyage en son fort intérieur. L'expérience révèle parfois des émotions et peut ouvrir la parole. Je connaissais pas du tout. Après, c'est vrai que je me suis dit musicomaton. Bon, bah, c'est comme le photomaton, mais en musique. Ça veut dire qu'il y a une musique qui va sortir. Alors, mes impressions après avoir testé maintenant le musicomaton, c'est une rencontre inattendue et spontanée, un partage, on va dire, de sensibilité. Puis une découverte de ce qu'on peut dégager et envoyer comme onde. Yves-Henri Guillonnet souhaite conserver une part de surprise dans la découverte du musicomaton. Nous n'avons donc pas pu emmener notre caméra à l'intérieur du dispositif. Mais vous pouvez rencontrer l'artiste musicien à la galerie Autre Loi jusqu'à vendredi.